C'était le 22 mars 2020. J'étais avec mon petit-fils. C'était la fin de la saison du Wapiti. Et on est tombé sur un taureau. Il était allongé sur le flanc, tombé, comme une masse. Il bougeait pas. Ça nous a tout de suite paru bizarre. Il lui manquait une grande section de peau, du ventre jusqu'au rectum. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai jamais vu ça. Il y a quelque chose de très bizarre là-dessous. J'ai commencé à me renseigner sur cette situation et ça m'a fichu les jetons. J'ai toujours les poils du dos qui se dressent quand je passe par là-bas.